Bonjour et bienvenue dans Parole d'Assaut, les rendez-vous culturels à ne pas manquer en Aunis pour votre week-end et le restant de la semaine. On commence par Benon. Le foyer rural organise un loto à la salle des fêtes le samedi 9 février à 20h30, ouverture des portes à 19h, 2€ le carton. À Courson, le club des aînés Entraide Coursonnaise organise un concours de belote à la salle socioculturelle le samedi 9 février, inscription à partir de 13h, 7,50€ par personne. À Maran, la section batterie fanfare de l'éveil de Maran organise un loto à la salle polyvalente le dimanche 10 février à 14h, ouverture des portes à 13h. À Longèves, malgré une date supplémentaire, il n'y a plus de place pour la pièce de théâtre Impair et Pair interprétée par le Prévert à l'occasion de leurs 35 ans. Pour tout savoir sur les autres spectacles 2019 de la salle de l'Envol, rendez-vous sur longèves-17.fr. À La Ronde, venez participer à une soirée conviviale intitulée Paroles sans frontières à la salle des fêtes samedi 9 février à partir de 19h. En plus des contes et des chants, la fanfare La Clique animera en musique cette soirée. Inscription et renseignements à l'espace Mosaïque à Courson ou au 05 46 01 94 39. À Saint-Jean-de-Liversé, vous prendrez les couleurs de l'Espagne avec un dîner dansant espagnol animé par l'orchestre Océan et organisé par le GEDAR, samedi 9 février à partir de 20h30, 26€ par personne. Renseignements au 06 95 93 37 72. À Ferrières-d'Aunis, l'association des parents d'élèves du Guédalré, les enfants d'abord, organise une soirée tartiflette à la salle des fêtes samedi 9 février à partir de 20h. Renseignements et réservations au 06 73 94 24 67 ou au 06 50 27 44 85 ou par email à lesenfantsdabord17@laposte.net. À Togon, il y aura du théâtre à la salle des fêtes avec une comédie de Jérôme Vuittenez, Hystérie au couvent, le samedi 9 février à 20h30, le dimanche 10 février à 14h30 et enfin le samedi 16 février à 20h30. Adultes 6€, moins de 12 ans 3€. Renseignements et réservations au 05 46 27 86 30 ou au 06 70 18 32 70. Au Guédalré, venez vous relaxer pendant une heure à l'atelier de relaxation mardi 12 février de 18h30 à 19h30 à la salle des activités à côté de la bibliothèque. Pour tout savoir, contactez Jordan Collin de l'association En Toute Expression au 06 51 36 99 34. Au Guédalré encore, vous allez apprendre à communiquer avec votre enfant avec les mains. Un atelier de communication gestuelle est organisé le mercredi 13 février de 10h à 11h à la salle des activités à côté de la bibliothèque. Renseignements au 06 51 36 99 34. À noter maintenant sur vos agendas pour ne pas les louper. À Courson, la deuxième édition de la Courson Nature aura lieu dimanche 3 mars. Deux courses enfants, 1 et 2 km, une course adulte de 10,5 km, et, nouveauté, un semi-marathon à travers Courson, sa campagne et la forêt de Benon. Pour vous inscrire et tout savoir, coursonnature.striggingly.com. À Saint-Jean-de-Liversé, comme chaque année, la bibliothèque organise sa braderie samedi 9 mars prochain aux horaires de la bibliothèque de 10h à 12h et de 16h à 18h. Renseignements au 05 46 01 62 87. À Surgères, l'amicale motocycliste de Surgères organise une journée de roulage FFM UFOLEP au profit de Ça roule pour Lulu, au terrain de motocross de Surgères. Dimanche 17 février, pour tout savoir, téléphonez à Didier Morin au 06 63 37 81 73. Voilà, parole d'assaut, les rendez-vous à ne pas manquer en Aunis, c'est fini. Rendez-vous pour un nouveau numéro jeudi prochain. Si vous aussi, vous avez des informations à diffuser, n'hésitez pas à contacter la rédaction d'Aunis TV par téléphone au 06 19 87 24 81 ou par email redaction@aunistv.fr. Nous nous ferons un plaisir de les communiquer et c'est toujours gratuit. Bonne et heureuse semaine en Aunis.